Invito tutti a entrare, a sedersi, a osservare un religioso silenzio. Dovremmo esserci. Ecco. Un religioso silenzio. Oui, oui. Vous me voyez? Dovremmo esserci. Ok. D'accord. Alors, Madame Alexandra Jaff, est professeure à l'Université de Californie à Long Beach et nous sommes très curieux d'entendre son avis sur le titre de son intervention. Qu'est-ce que le nouveau normal peut pour une langue minoritaire? Alors, je vous laisse la parole bien volontiers et j'espère que la technique nous aide. Son avis sur le titre de son intervention est Alexandre Jacques. Qu'est-ce que le nouveau normal pour une langue minoritaire. Alors je vous... I can't find my Discover card. Wait, I can freeze my account. Introducing Freeze It from Discover. It allows you to... Alors vous avez le PowerPoint où j'attends un petit peu. D'accord. Donc je le vois. Vous l'avez sur l'écran. Vous pouvez me. Alors voilà, très bien. Et bon, donc je veux commencer par vous remercier de m'avoir invité et dire que je suis désolée de ne pas pouvoir être avec vous pour cette journée pleine d'interventions très très intéressantes. Alors vous pouvez passer au prochain diapo. Et l'idée du nouveau normal que j'ai évoqué dans le titre sort du constat, je pense, évident que ce que parler une langue minoritaire veut dire change inévitablement selon le contexte historique, économique, social et culturel. Et ça, c'est parce que les processus de language shift et aussi de revitalisation linguistique agissent toujours sur la langue. La communauté, le locuteur, la locutrice et aussi les relations entre les trois. Bon, donc par rapport à la langue, ces processus changent bien sûr le code linguistique et sur le plan idéologique définissent la langue légitime. Alors, quant à la communauté de pratique langagière, ces processus changent aussi ses caractéristiques démographiques et aussi bien que les pratiques qui la définissent.
et on arrive au locuteur, à la locutrice. Et là, Language Shift est souvent conçu comme une simple perte de compétences, et c'est vrai que ça arrive. Mais en même temps, je pense que si on pense compétences au pluriel, on constate qu'un nouveau locuteur d'une langue minoritaire acquiert aussi des compétences et des connaissances dans des domaines et des genres différents que le locuteur traditionnel, comme par exemple l'écrit. Et ici, sur le plan idéologique, il est question de la définition de légitimité liée, bien sûr, à la question de communauté de pratique, qui en fera partie. Alors, étant donné tout ça, il est clair que quand on dit revitalisation, il n'est pas possible de créer exactement la même vitalité que celle du passé, parce qu'on ne peut pas créer, recréer toutes les conditions matérielles, culturelles, économiques, etc., dans lesquelles la langue vivait. Donc, l'idée du nouveau normal prend en compte les conditions actuelles, leur impact sur les pratiques, l'identification linguistique, la notion du locuteur et de la communauté, bref, de la possibilité d'une vitalité nouvelle ou moderne. Alors, je vais essayer d'illustrer quelques éléments de cette approche avec des données que j'ai recueillies dans deux écoles bilingues en Corse en 2011-2012 autour d'une pratique traditionnelle qui s'appelle les Chiami Rispondi. Et vous pouvez passer au prochain diapo. Et je vais mettre l'accent sur la manière dont cet apprentissage tissait des liens entre des pratiques et des compétences linguistiques et sociales très traditionnelles, donc permettant aux élèves de participer dans un champ de pratique expert valorisé hors de l'école, mais en même temps en intégrant ce genre traditionnel dans l'école et sur Internet. Je pense que cet apprentissage créait de nouvelles notions de locuteurs légitimes, transformait la pratique elle-même et élargissait la communauté de pratiques traditionnelles. Alors, pour décrire un tout petit peu les Chiami Rispondi, c'est une joute improvisée où le premier poète lance son vers et c'est chanté. Le deuxième doit répondre immédiatement, donc il y a improvisation, et il y a toujours un élément de taquinerie, d'humour, et ce qu'on appelle en Corse un esprit de magagna. Alors, prochain diapo, j'essaie aussi de suivre ici à côté, voilà. Alors, ça c'est un tout petit peu sur l'enseignement bilingue en Corse, qui existe depuis 1996, et maintenant, ça touche 20% ou même plus des élèves, peut-être jusqu'à 25% cette année. Le modèle pédagogique suivi, c'est un maître de langue. Et il y a donc jusqu'à 50% du curriculum en Corse. Et il est très important de savoir que c'est un enseignement bilingue pour des enfants qui n'arrivent pas à l'école corsophone. Et donc, par rapport au Chiami Rispondi, c'est le fait que les enfants arrivent sans parler corse, pour la plupart. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'était pas question d'intégrer les Chiami Rispondi dans l'école, parce qu'on pensait que c'était hors de portée des locuteurs non experts, les petits. Et puis, il y avait aussi un discours circulant qu'on ne pouvait pas enseigner quelque chose... la poésie, qui était un don. Alors, prochain diapo, s'il vous plaît. Mais malgré tout ça, quand je suis arrivée en 2011, ce genre avait déjà commencé à apparaître dans de nouveaux domaines, notamment en ligne et dans les écoles, donc à l'écrit aussi bien qu'à l'oral. Et ce qui va nous intéresser, c'est que dans ces contextes, au lieu d'avoir que des locuteurs experts, masculins, âgés, on voit apparaître de nouveaux apprentis, comprenant des filles, en train de construire leurs compétences linguistiques et poétiques à la fois. Donc, apprentissage linguistique et poétique à la fois. Alors, prochain diapo, s'il vous plaît. Et c'est un petit clip on va jouer juste un tout petit peu.
qui montre une séance de Tiam et Respond dans un contexte assez traditionnel et informel, c'est un café. Et le jeune homme que vous voyez est, un maître, est le maître bilingue dans l'école qu'on va discuter. Donc si vous pouvez cliquer, jouer un peu, vous allez peut-être comprendre. E vera ne ha scrittura che è il più competente. Ma se si mette anche un errore, cioè un più forte, ma un giocatore. La soga che sul soggetto, soga è auto gusto. Tu già fa che con rispetto, ma mi pare un poco brutto. Mio garro, Jean-Louis, tu canti così giusto. Oh, ok, voilà. Meglio che te. Aspetta, ça continue. Donc, vous voyez qu'il est un participant légitime dans une communauté de pratique poétique, mais si vous pouvez avancer au prochain diapo. Mais son parcours a commencé en ligne dans un forum de langue corse. Et ici, vous voyez quelques extraits de ce forum qui montrent son objectif pédagogique et inclusif par rapport au Tiam et Respondi. Et Christophe a commencé à participer à l'écrit en composant des vers avec ses partenaires en ligne. Il s'entraînait, donc il s'imposait petit à petit des délais plus courts pour répondre, donc il s'approchait de l'improvisation orale. Alors un jour, il m'a raconté, il a assisté à une soirée de Tiam et Respondi, où des poètes beaucoup plus âgés et expérimentés chantaient, et à un moment donné, un de ces poètes, qui participait dans le forum, l'a interpellé et disait quelque chose comme « Alors, vous vous débrouillez très bien à l'écrit, voyons si vous vous débrouillez aussi bien à l'oral ». Alors, bien qu'un peu intimidé, Christophe l'a fait et c'est comme ça qu'il s'est lancé dans un circuit de ces rencontres poétiques. Ok, alors, prochain diapo. Alors, le projet que j'ai mené en 2011-2012 était en collaboration avec Christophe dans son petite école de village et de montagne à Pellicroce et Sonia Foti, qui était maîtresse dans une école très différente dans la ville d'Ajaccio. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors ici, vous voyez les deux écoles. Je vivais au milieu, marqué par un A, et je faisais le relais entre les classes. Je portais les enregistrements de poésie de l'une à l'autre. Je faisais pas mal de routes. C'est très... pas facile, ok. Alors, prochain diapo. Alors, dans les deux classes, Christophe et Sonia ont fait une démarche pédagogique en amont sur la poésie afin de développer un goût chez les élèves de la poésie et aussi leur donner un répertoire à portée de main de rimes, de vocabulaire, etc. Alors, prochain diapo. Nous n'aurons pas le temps de parler des deux écoles aujourd'hui, donc ici vous voyez la démarche typique à Pédicroce avec Christophe. Alors l'appel, la première poésie, venait soit du maître, soit de l'autre école, et il y avait un travail sur le sens. Ensuite, il y avait une récolte des idées auprès des élèves pour composer une réponse. Les enfants proposaient des couplets, on évaluait collectivement, il y avait un travail collectif aussi sur la forme et le sens. On écrivait toutes les propositions au tableau et puis il y avait un produit final chanté par les enfants, seuls et ensemble, et à la fin, enregistrement du produit final. Alors, on va passer au prochain diapo. Et alors là, je vais montrer donc sur le. Vous avez tous l'exemplier avec les transcriptions, les exemples de poésie, oui?
Oui, d'accord. Alors, sur l'exemplier, vous avez un verbe, appelez le « tiens, mais répondez des devoirs », et aussi, oui, attendez une seconde, voilà, et puis une transcription d'une partie de la séance de composition, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Alors, juste pour vous donner du contexte, est-ce que vous pouvez l'arrêter? Oui, ok, on va attendre juste un... Juste pour vous faire partie de ce qui s'est passé, c'est que l'enseignante d'anglais qui passait à l'école une fois par semaine est arrivée ce jour-là et elle s'est plainte un peu auprès du maître que les enfants, pour l'anglais, n'avaient pas fait leur devoir. Et donc, quand elle est partie, Christophe a lancé aux enfants le premier vers que vous voyez sur l'exemplier, disant qu'ils n'avaient pas bien travaillé. Et ça, c'était le début du cycle de Tiens-moi, respondi, que vous lisez sur l'exemplier, qui est un échange entre le maître et les enfants. Et donc, dans ce petit clip, vous allez voir une partie de la séance de composition et vous avez aussi la transcription sur votre exemplier. Oui, ok. Alors là, si vous pouvez peut-être, recommencer, il y a environ 2 minutes là pour du clip. Ok, allez. Ok. Et ça, c'était leur ligne préférée, les cerveaux qui explosaient. Voilà. Et si vous pouvez passer au prochain diapo. Alors, vous avez peut-être noté la technique corporelle, compter les syllabes sur les doigts. Et sans rentrer en trop de détails, on peut noter qu'il y a un travail sur le sens. Si vous regardez l'exemplier, un travail sur l'esprit, la magagne, l'humour, et sur la forme linguistique, donc le nombre, le temps et la personne.
Alors, passer au prochain diapo. Et dans tout cela, on voit l'aspect communautaire, ce que j'appelle le faire ensemble de cette pratique, qui est à la fois scolaire et linguistique. Il y a le micro-social, donc il y a la gestion du conflit, qui était un vrai conflit entre le maître et les élèves. Il y a aussi un lien par rapport à la société, un lien social plus large, parce que c'était un biais de participation en tant que locuteur légitime dans la société extrascolaire. Donc cet échange, après, le maître Christophe a organisé un appel des enfants de l'école sur une émission de langue corse sur la radio qui s'appelle Didea Ostra, qui passait entre 13 et 14 heures. Et donc, à l'école, ils appelaient, ils chantaient ce « Tiens, mais répondez des devoirs ». Et plus tard dans l'école, ils ont rappelé à la radio et ils ont chanté le « Tiens, mais répondez leur échange avec l'autre école ». Les élèves ont aussi préparé leur PowerPoint de narré « Qui dit ou tiens, mais répondez » pour la fête de l'école. Donc, c'était destiné aux parents et aux villageois. Alors, prochain diapo, s'il vous plaît. Et en juin, ils sont allés à un festival international de poésie dans un village de Lhotse. Et à ce festival, ils ont aussi fait une mise en scène de ce « Tiens, mais répondez des devoirs » qui était devenu un peu, voilà, c'était dans leur répertoire. Et ce que vous voyez sur le diapo, c'était que à ce festival, ils ont participé avec beaucoup de plaisir à tous les événements où, comme la citation d'un des garçons indique, ils se considéraient comme faisant partie d'une communauté de poètes. Nous aussi, nous sommes des poètes. Alors, prochain diapo, s'il vous plaît. Ce faire ensemble se déroulait aussi avec l'autre classe de Sonia Fauti sur 4 mois et ils ont élaboré 6 cycles de poèmes. Vous en avez 2 sur votre exemplier et cet échange se jouait autour du contraste entre la ville et le village, la montagne et la mer et aboutit avec une rencontre au musée de Corse, plus ou moins au centre entre les deux, où ils ont participé à des ateliers, écouté des vedettes, des poètes de « Tiens, mais répondez » en direct, comme ils disaient, et ils ont échangé leur « Tiens, mais répondez » pour la première fois face à face. Et donc, on va voir, prochain diapo, une courte clip vidéo de 2 minutes, et vous allez voir cet échange, et à la fin, une intervention improvisée du maître. Voilà, vous pouvez. Hein? Alors ça, c'est la rencontre. Yeah.
Voilà. Alors, oui, voilà. Prochain diapo. Alors, dans des entretiens avec les élèves, j'ai relevé beaucoup d'éléments qui montrent, je pense, le sens que cet apprentissage n'était pas uniquement scolaire, que les élèves se l'appropriaient dans la vie quotidienne. Ils tenaient des cahiers, ils composaient des poèmes spontanément. Vous avez vu le petit garçon à la fin du clip. Ils écrivaient des poèmes pour des amis ou pour les familles. Et voilà, prochain diapo, s'il vous plaît. Et je signale donc le rôle capital de l'échange, parce que les Tiamiris ne se font pas seuls. Il faut faire ce genre avec quelqu'un d'autre, et c'est ça qui donne le sens à l'apprentissage d'une langue minoritaire. Le projet créait des réseaux sociaux entre pairs. Et là, c'est très rare en Corse que les enfants pratiquent le corse ensemble. Et des réseaux sociaux entre les enfants, avec des adultes et avec un public plus large. Et je cite là un des enfants qui montre aussi la sensibilité sociale qui a accompagné cette expérience de la magagne. Il dit en effet que ce n'est qu'avec le contact, l'échange avec l'autre, qu'on peut moduler le degré de taquinage ici avec les élèves de l'autre école. Et dernier diapo, s'il vous plaît. Donc, voilà, donc ça doit être. Oui, prochain diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, pour conclure, la pratique des Tiamiris Pondi en ligne et dans les écoles répond à un nouveau norme, la réalité de niveaux de compétences très variables parmi les Corses, surtout parmi les jeunes. Et en même temps, elle crée, je pense, un nouveau normal positif qui fait le lien avec le passé tout en introduisant des transformations. Et donc, on voit par rapport à la langue que la pratique renforce des compétences formelles, mais pas comme des leçons de grammaire stériles, mais au service d'un acte de création valorisé. On assiste aussi à un élargissement de la communauté de pratique qui, encore une fois, ne se définit pas uniquement par fidélité à une idée abstraite de langue comme code, mais se définit autour d'une pratique dans laquelle la langue est mobilisée pour faire quelque chose ensemble. La participation légitime dans cette pratique, donc, ne dépend pas uniquement de compétences avancées, mais peut se faire aussi dans l'acte d'apprentissage, le partage de l'esprit de la montagne, le goût du genre, etc. Et donc, je pense que ça ouvre un espace de légitimité pour le locuteur nouveau ou la locutrice nouvelle de langue minorisée, quelque chose qui n'est pas toujours évident. Et finalement, je pense que ça mène à une idée, une conceptualisation de compétences au pluriel qui n'est pas uniquement centrée sur l'individu. C'est ce que j'appelle là la compétence distribuée, distribuée dans le corps social, distribuée dans la classe. C'est ce qui permet ce que Lave et Wenger appellent la participation légitime périphérique, l'intégration des moins expérimentés dans quelque chose qui marche. Donc, par exemple, dans la classe de Christophe, les plus petits, qui ne composaient pas la poésie, mais qui participaient dans sa mise en scène. Et donc, ils s'appropriaient aussi une partie de cette compétence distribuée. Et en fin de compte, je pense que c'est le goût de la participation qui, pour une langue minoritaire, incitera le projet volontaire de l'individu de s'approprier la langue dans son parcours de vie. Voilà, merci.
Vous m'entendez? Madame Jaffe, vous m'entendez? Oui. Bon. Je vous remercie beaucoup au nom de tout le monde qui était là pour votre exposé très, très, très intéressant, pour les choses que vous nous avez appris. Je passerai la parole à quelqu'un qui peut-être aura des questions à vous poser. Vous êtes d'accord? Oui, avec plaisir. Quelqu'un a des questions à poser à Madame Jaffe sur, elle nous a montré quelque chose de très, très intéressant, en effet, et très nouveau aussi pour beaucoup de nous. C'est mieux si vous vous asseyez parce que... Merci, merci. Votre présentation, ça m'a plu beaucoup, mais je note qu'il y a aussi des similarités avec des façons semblables, je pense, je ne suis pas un expert, d'employer la poésie. En Sardaigne, il y a un thème qui est donné par le maire, maintenant d'habitude, et il y a des personnes qui font des improvisations poétiques. Je sais qu'il y a le même dans les Pays Basques, je pense même en Toscanie, je ne suis pas sûr, mais je sais aussi qu'il y a la même tradition d'improvisation poétique, même dans des pays très loin, je pense en Iran, en Chine. Et alors je veux dire, vous avez touché une valeur universelle qui peut donner aux petits garçons l'idée qu'ils sont partis d'une... capacité humaine d'improviser la poésie et qui est répandue, je pense, d'une façon globale dans beaucoup de parties du monde. Oui, et c'était en effet, c'est quelque chose au Festival de Lodzi que j'ai évoqué brièvement. Alors là, les enfants ont rencontré des Sardes, des Toscans et d'autres, je ne sais pas d'où aussi, mais ils ont appris en effet un peu ce que vous avez dit, que c'est quelque chose qui est répandu dans le monde. Et ils ont passé, on a eu une discussion très très intéressante par rapport à quand ils ont entendu le contraste Toscan. Et donc ils pouvaient comprendre plus ou moins le contraste. Et il faisait la comparaison et le contraste avec le tien m'est répondu. Et donc, je suis d'accord que c'est non seulement une communauté de pratique corse, mais plus globale et donc valorisant dans ce sens. Et ça permet de faire le lien entre de dire que parler une langue minoritaire n'est pas quelque chose qui vous renferme, mais qui peut aussi ouvrir à des pratiques ailleurs. Ouais. Merci, merci beaucoup. Merci encore. Monsieur le professeur Alessandro Vitale Brovarone va vous poser une question. Bonsoir, Madame Jaffe. Oui, bonsoir. Alors, je vais poser une question qui ne sera pas tellement populaire, je crains, mais ce que vous nous avez montré, c'est un grand exemple de liberté, intelligence et, disons, une chose offerte aux jeunes de l'école d'une façon admirable, à mon avis. Et je me permettrai là de défendre aussi les droits des majorités linguistiques. Pourquoi les garçons qui appartiennent à des majorités ne peuvent pas avoir une chose aussi belle que ça? Je crois que ça fasse partie de ce qu'on peut désirer pour l'école, pour le futur. Et je vous remercie aussi pour les majorités. Merci. Et je pense que là, je pense que ça peut induire aussi, je vais vous raconter un tout petit peu aussi que l'école de Madame Fauti, donc c'était des enfants de 8 ans,
Et ils ont participé aussi à un autre festival ou une rencontre poétique avec d'autres classes qui travaillaient en français, des classes qui avaient travaillé sur le vers alexandrin. Et alors, il y avait des échanges où les enfants apprenaient, les deux classes, ils échangeaient les compétences poétiques et les formes poétiques qu'ils avaient apprises. Et puis, donc, il y avait apprentissage entre pairs. Et je pense que là aussi, c'était vraiment une idée de partager un goût, une expression poétique, non seulement dans la langue minoritaire, mais dans la langue majoritaire. Et comme j'ai indiqué sur un des diapos, les enfants commençaient aussi à improviser en français. Et pour ma part, j'ai essayé de faire une improvisation bilingue français-anglais quand j'étais là. Donc je pense que ça ouvre la possibilité de beaucoup de choses dans toutes les langues, dans les répertoires des participants. Merci beaucoup. Encore des questions? Bon, si personne... Madame Denoyer. Merci. Je me demandais si on pouvait... j'étais en train de tenter de reporter un peu sur le franco-provençal, votre exemple corse. Et je fais là référence un peu à l'ensemble de ce que j'ai lu de vos écrits, donc pas forcément par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui. Je me demandais si la fragmentation du franco-provençal, qui est souvent invoquée comme un problème, et qui est plus importante, je crois, que dans le cas du corse, est un faux problème dans la transmission et dans la revitalisation, dans les stratégies plus en général autour de la langue, de la revitalisation et de la transmission. Est-ce que c'est un faux problème, à votre avis, ou un peu un alibi, ou ça peut être un problème réel, à partir du moment que c'est plus important que ce que vous avez pu peut-être remarquer en Corse? Bon, là, je ne peux pas moi-même évaluer le degré de difficulté qui ont, par exemple, le locuteur de franco-provençal d'un endroit, d'une région, une micro-région à l'autre, peut avoir à comprendre quelqu'un d'une autre région ou lieu. Donc là, je ne suis pas du tout expert. Je pense que là, vous avez peut-être tous rencontré l'idée de la polynomie, donc un système où les gens emploient... alors, tout le monde parle le sien, leur variété de la langue, en principe, et on se comprend, il n'y a pas un standard, il n'y a pas un seul standard. Et puis à l'écrit, c'est la même chose, vous écrivez, on emploie en Corse des critères standardisés pour représenter les prononciations. Et donc tout le monde écrit, on écrit son parler, on écrit sa variété, et le lecteur est obligé de traduire dans sa tête, de reconnaître les variétés des autres. Et c'est vrai que c'est une expérience de lecture qui est autre que l'expérience qu'on a dans une langue dominante qu'on a appris à l'école, parce que l'expérience de lecture n'est pas... il y a un peu de... c'est pas fluide de la même façon. Il y a rupture visuelle. Donc, on voit la différence. On se rend compte de la différence. Mais ça fait partie aussi d'une philosophie, d'une idéologie, que la reconnaissance de la différence, des façons de parler, d'écrire des autres. Et en effet, c'est ça qui fait partie, c'est un des éléments unifiants de la communauté de pratique.
je pense que je peux dire que avec le avec la variation qui qu'on trouve en Corse, que c'est tout à fait réalisable, c'est faisable même dans l'école. On introduit la notion de variation très jeune. Ce n'est pas à dire que ce n'est pas sans défi, parce que je pense, et je fais référence un peu à d'autres choses que j'ai écrites, c'est que la définition du... il est toujours question de définir la question du locuteur légitime, de l'écriture légitime, du taux de, par exemple, de mélange. Est-ce qu'on peut mélanger des variétés? Est-ce qu'on peut mélanger le français et le corse? Il y a des questions qui ne sont pas, qui n'ont pas été résolues, je veux dire. Les apprenants, surtout des adultes, peuvent être confrontés à la variation. Ça peut être déstabilisant parce que ça rompt avec les expériences antérieures d'apprentissage de langue. Donc c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui se fait juste comme ça, très facilement. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose à étudier, à quel moment, à partir de quel taux de différence dialectale, est-ce que ça devient insurmontable? Je pense que ça, mais à mon avis, la décision de surmonter ou pas les défis, ça fait partie de la définition, le projet de société, c'est de définir c'est quoi, c'est qu'est-ce que c'est, cette langue ça va être quoi, la communauté de pratique ça va être qui et pourquoi. Merci beaucoup. Encore des questions? S'il n'y a plus de questions, Madame Jaffe, je crois interpréter l'opinion de tout le monde ici réuni en vous remerciant pour avoir partagé avec nous une petite portion de votre savoir. Et avec un applaudissement, nous remercions tous ensemble. Alors, je vais suivre la présentation suivante sur l'Internet. Au revoir, merci. Alors, nous poursuivons comme si les quelques, je ne sais pas, 6000 km, quelque chose pareil, qui nous séparent de Madame Jaffe n'existaient pas. Et j'appelle à ce point, je crois que c'est le tour de Monsieur Martin, pour son intervention. La revitalisation du franco-provençal est-elle une utopie? Monsieur Martin, vous le connaissez tous, il est bénémérite du franco-provençal, il est l'auteur avec Monsieur Thuayon du monumental atlas linguistique du Jura et des Alpes du Nord, donc il n'a pas besoin d'autre présentation. À toi la parole. Bien, donc rebonjour. Je vais essayer de répondre à la question. Je vais essayer de répondre à la question que j'ai posée dans le titre de ma communication, la revitalisation du franco-provençal est-elle une utopie? C'est pas très facile de répondre à cette question, comme vous allez le voir. La disparition d'une langue prive le territoire sur lequel elle s'est formée et sur lequel elle est parlée d'une part importante de son patrimoine et de son identité. Mais comme vous le savez tous, chaque fois qu'une langue meurt, c'est aussi l'humanité tout entière qui s'appauvrit, puisque chaque langue représente une façon particulière de lire le monde et d'exprimer la pensée. Actuellement, nous assistons à la disparition de beaucoup de langues à travers le monde, mais aussi près de chez nous, puisque certaines de nos langues régionales
sont en voie de disparition ou au moins en grand danger. Parmi ces langues en grand danger, il y a la langue du territoire sur lequel nous nous trouvons. Comme vous le savez, le franco-provençal présente une vitalité bien faible dans une partie importante de son domaine, cela a été souligné plusieurs fois aujourd'hui. En France et en Suisse, le franco-provençal est même en très grand danger et il a pratiquement disparu dans certaines aires. En France, il y a près de 50 ans, j'avais le plus grand mal à trouver des informateurs pour répondre aux questionnaires de l'Atlas linguistique du Jura et des Alpes du Nord, auquel M. Telmon vient de faire référence. J'avais le plus grand mal dans la partie jurassienne. Et vous pensez bien que depuis 50 ans, la situation ne s'est pas améliorée. Il n'y a qu'en Bresse et dans certaines aires savoyardes que le franco-provençal présente encore une certaine vitalité. En Suisse, la situation n'est globalement pas meilleure d'après les sources que j'ai pu consulter. Et dans une contribution intitulée « Que reste-t-il des dialectes gallo-romans de Suisse romande ?», Andrés Cristol intitule sa deuxième partie, je cite, « La disparition de la tradition linguistique vernaculaire ». Et il indique qu'en dehors d'Evelen, la rupture, citation encore, est achevée pratiquement partout. Heureusement, la situation est meilleure ici au Val d'Oste, puisque le patois est encore parlé dans une partie importante de la population autochtone. Dans sa contribution au bulletin Langues et Cités, qui est le numéro 18 de la DGLFLF, qu'il a justement intitulé « La vallée d'Oste, citadelle du franco-provençal », Saverio Favre rappelait les pourcentages des locuteurs d'après l'enquête conduite en 2008 par la Fondation Chanou, à savoir 67% connaissent le franco-provençal, près de 46% le parlent. De tels pourcentages font certainement rêver les Français et les Suisses qui sont attachés à leur langue vernaculaire, même si, m'a-t-on dit, je l'ai entendu, la vitalité du franco-provençal ici au Val d'Oste s'amenuise actuellement. Le contraste entre le Val d'Oste d'une part, la France et la Suisse d'autre part s'explique facilement et les raisons sont bien connues, la principale étant la suivante. Ici, le patois a été mis à l'honneur et a été enseigné, alors qu'en France et en Suisse, l'État et l'enseignement ont tout fait dans le passé pour le discréditer, allant même jusqu'à punir les enfants qui commettaient le crime de recourir à leur langue maternelle. Et en France, cette punition a duré dans certaines régions presque jusqu'au milieu du XXe siècle. Ce que je vais dire maintenant s'applique à la situation du franco-provençal en France. Nos amis suisses pourront dire si certains points sont applicables chez eux. Quand les locuteurs sont en nombre aussi petit et que, sauf exception, je pense à quelques familles de militants, la transmission familiale ne se fait plus. En France, on peut dire qu'elle a cessé depuis deux générations. Peut-on espérer que le franco-provençal, notre franco-provençal, ait un avenir assuré comme langue parlée? N'est-il pas condamné à brève échéance à rejoindre la liste des langues mortes? Comme langue ordinaire du quotidien, le franco-provençal est, me semble-t-il, condamné. Il ne faut pas se bercer d'illusions. Quand il n'y a pratiquement plus de transmission familiale et qu'il n'y a pas de véritable enseignement susceptible de prendre le relais, il est voué à disparaître avec les derniers locuteurs dont la plupart ont aujourd'hui atteint ou dépassé la septantaine. Il disparaîtra d'autant plus facilement qu'on n'a plus besoin de lui sur le plan pratique. Il est loin le temps où, sur la place publique, la majorité des conversations se tenaient en patois, et le temps où les attelages de bovins ne comprenaient que le patois. Quand on sait qu'aujourd'hui, dans certains milieux économiques, on ne s'exprime plus en français mais en anglais, on voit bien que l'avenir comme langue utilitaire, est bien sombre.
Et il n'y a pas chez nous de volonté politique et de volonté populaire qui permettent à notre langue de renaître, comme ça a été le cas, par exemple, pour le catalan en Espagne. Malgré tout ce que je viens de dire, il me semble que notre langue peut encore avoir un avenir. Cet avenir, je le vois plutôt du côté culturel, du côté affectif. À l'époque d'une mondialisation de plus en plus prégnante qui réduit les particularismes, l'homme a de plus en plus besoin de repères, de plus en plus besoin de racines. À côté du global qui dépersonnalise, le local devient un besoin. Le patrimoine, au sens étymologique, ce qui nous a été transmis par nos pères, et l'identité revêtent une valeur forte, car l'homme, me semble-t-il, ressent depuis toujours un vif besoin d'identité. Puisque le franco-provençal ne peut pas devenir ou redevenir la langue ordinaire du quotidien qu'il fut, il faut, si l'on veut avoir une chance de le conserver, lui donner, je devrais plutôt lui dire lui redonner, une place qu'aucune autre langue ne peut avoir, celle du cœur en lien avec le terroir et les racines. Pour cela, cette langue doit être valorisée sur le plan culturel. Il faut donc favoriser toutes les entreprises qui prouveront que le franco-provençal a aussi été une langue de culture et montrer qu'encore aujourd'hui, elle peut être une langue de création culturelle. En m'appuyant sur ce qui se fait pour l'occitan, qui est l'une des deux langues régionales de France, qui est l'une des langues régionales de France et l'une des deux langues de Rhône-Alpes, c'est là mon lapsus, qui est une des langues régionales de France les plus dynamiques et qui est la grande sœur gallo-romane voisine que vous connaissez. Je vais citer quelques domaines où la créativité culturelle pourrait se développer. Je dis bien se développer puisque beaucoup de choses existent déjà. Parmi ces domaines, il y a le chant et la musique. Il y a bien sûr les chants et les musiques traditionnelles qu'il faut maintenir. Mais il y a aussi la création culturelle qu'il faut encourager. Il faut continuer à collecter, comme cela a déjà été fait depuis de nombreuses années, et mettre ces collectes à la disposition du public accompagné de CD. Et je trouve particulièrement heureux que certains groupes actuels reprennent les chansons traditionnelles avec les musiques d'aujourd'hui, ce qui permet d'intéresser un public plus large et surtout un public plus jeune, même s'il ne comprend pas toujours toutes les paroles. Dans une publication récente de la collection régionale que je dirige, et cette publication récente s'appelle « Chanter en patois dans l'Ain », c'est un ouvrage qui a été publié il y a à peine un an, nous avons volontairement regroupé les interprétations traditionnelles et les interprétations nouvelles faites par le groupe musical bressan « Vous t'avez nous », qui a mis dans son répertoire une dizaine de chants bressans anciens, ce qui fait que même les plus jeunes, qui ne connaissent pas le franco-provençal de Bresse, ont l'occasion de l'entendre dans les soirées. De tels groupes se développent actuellement en France, mais aussi en Suisse et ici en Italie, et cela me semble vraiment très heureux. Je souhaite vivement que se crée sur l'espace franco-provençal un festival de chants et de musique comparable à celui qui s'est mis en place il y a une vingtaine d'années à Rodez pour l'Occitan. Ce festival, qui fait aussi une place à la littérature et qui s'appelle l'Estivade, attire sur 3 jours un public de près de 100 000 personnes, alors que la population de cette ville n'atteint pas 30 000 habitants. J'ai constaté que dans le public, il y a tous les âges et qu'il y a beaucoup de jeunes et d'enfants qui viennent avec leurs parents.
Toucher les jeunes est indispensable si l'on veut un avenir pour notre langue et ses expressions culturelles. Il est tout à fait important de conjuguer tradition et modernité, racines locales et ouverture au monde. La création d'un festival international comparable à celui de Rodez, quelque part dans l'espace franco-provençal, me semble une mesure très importante, très intéressante et finalement assez facilement réalisable. Il suffirait par exemple de développer encore davantage une des manifestations qui existent. Je prends par exemple pour la France, je prends l'exemple du feufliage qui se déroule chaque année en Haute-Savoie, mais je sais qu'il y a aussi des manifestations ici en Italie et il y en a en Suisse. Autre possibilité, le théâtre qui est largement exploité, et en particulier ici au Val d'Oste, eh bien ce théâtre doit continuer à se développer, car il me semble un élément intéressant de promotion de la langue. Il convient d'encourager la création et la diffusion théâtrale, en particulier à destination d'un public scolaire. À l'exemple, je ne connais pas ce qui se fait ici, donc je vais citer un exemple occitan. À l'exemple de ce qui se fait pour l'Occitan, ce que fait pour l'Occitan la Rampe Patio. Il ne faut pas que la création théâtrale soit seulement un rappel nostalgique de la vie d'autrefois, ou soit seulement une confrontation cocasse entre vie rurale, traditionnelle et modernité. Je dirais aussi qu'il faut faire une place à la littérature. Dans un pays comme le nôtre, mais je pense que ce que je vais dire là est vrai aussi pour l'Italie ou la Suisse, le prestige de la langue est encore, certains le déplorent, mais c'est un fait, est encore lié à l'écrit et à la littérature. Et vous avez vu ce matin, on vous a donné un exemple tout à fait intéressant de l'utilisation de la BD. Et là, je crois que tout ce qui s'est fait en traduction en langue franco-provençale sur les BD est tout à fait intéressant. Comme je vous l'ai dit, la région Rhône-Alpes et les éditions Libre MCC ont lancé en 2010 une collection qui s'appelle Régionale, qui est de promouvoir la littérature écrite en franco-provençal grâce à un prix modeste, notamment en raison de la subvention, et faire connaître cette littérature à un large public. Eh bien, dans les publications que nous avons faites, bien sûr, il y a les œuvres anciennes, depuis les premières, c'est-à-dire la Comtesse de Die pour l'Occitan de Rhône-Alpes. C'est aussi Marguerite Douin que nous avons republié, Marguerite Douin qui est le premier auteur franco-provençal. Eh bien, nous avons souhaité aussi publier des œuvres actuelles pour montrer que l'occitan, bien sûr, mais le franco-provençal aussi et tout autant, peut être encore une langue de création culturelle. Et il n'y a pas longtemps, j'ai publié dans cette collection dont je suis le responsable deux ouvrages. Un ouvrage en occitan, qui sont des poèmes, un ouvrage qui s'appelle « Un grand essaim de mots », « Un grand essaim de mots ». Et puis un roman de quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent, Pierre Grasset, qui s'appelle « La via extraordinaire » de Jean-Sébastien de Montoyer. Et pourquoi nous avons souhaité publier ces choses ? Pour montrer qu'encore on écrit de la poésie, encore on écrit des romans dans cette langue et qu'on peut écrire des œuvres d'une qualité comparable à beaucoup d'œuvres publiées dans d'autres langues. Et la publication des œuvres littéraires pose inévitablement la question de la graphie. Et le grand essaim de mots de Jean-Claude Fauré a connu un assez grand succès et l'ouvrage a été épuisé en moins de 2 ans. J'attribue ce succès à la qualité de l'œuvre, bien sûr, mais aussi au fait qu'à travers la graphie classique de l'occitan qu'il a utilisé, son recueil, bien qu'écrit en vivaro-alpin, en occitan vivaro-alpin de la région d'Annonay, donc tout près du franco-provençal, peut être lu sans difficulté dans toute l'aire occitane, y compris en Gascogne ou dans le Languedoc, dont la langue est un peu éloignée de celle qui est parlée à Annonay.
En comparaison, le roman franco-provençal de la région de Chambéry de Pierre Grasset a connu un succès moindre et je ne pense pas que ce soit la nature de l'œuvre qui soit la raison de cela. Il a connu une diffusion moindre et en particulier une diffusion moindre sur le plan géographique et cela s'explique probablement par le fait que, écrit dans la graphie de Conflans, son roman était plus difficilement lisible par les habitants d'autres parties, y compris de parties lointaines, du franco-provençal. L'avenir du franco-provençal comme langue d'expression culturelle, et je dirai un peu la même chose tout à l'heure lorsque je vous dirai un mot de l'enseignement, passera, me semble-t-il, par la mise en place de principes graphiques communs qui mettront davantage en lumière les traits communs entre les parlés. Pour moi, et je précise bien, écoutez bien, il n'est pas question d'inventer une langue nouvelle qui existerait nulle part. Il faut rester le plus possible fidèle à la diversité des réalisations de la langue franco-provençale telle que nous la connaissons, telle que nous la connaissons notamment à travers les atlas linguistiques. Je ne suis d'ailleurs pas du tout hostile aux notations de type phonétique qui sont absolument nécessaires lorsqu'on veut décrire avec précision les réalisations locales. Et cette écriture, je l'ai utilisée dans plusieurs de mes ouvrages, dont l'objectif était de rendre compte précisément des parlers locaux. Mais elles remplissent, me semble-t-il, une fonction différente. Je connais les réticences, pour ne pas dire les allergies, de certains dialectologues envers les graphies de type supradialectal, et je n'ignore pas les profondes divergences qui existent entre militants et dialectologues, qu'il s'agisse du franco-provençal ou d'autres langues régionales, comme j'ai pu le constater lors des réunions auxquelles j'ai assisté dans le cadre de l'Association des régions de France, auxquelles je suis appelé à participer comme conseiller scientifique de la région Rhône-Alpes. Pour l'occitan, la graphie classique préconisée par l'Institut d'études occitanes a mis près d'un siècle pour se généraliser. Mais elle n'a fini par s'imposer quand ont été réellement prises en compte les variations dialectales, régionales importantes. Les mistraliens continuent d'ailleurs à employer la graphie félibréenne, et cela ne me dérange pas, puisque dans la collection régionale que je dirige, je fais une place aux mistraliens. Je considère que la cause de nos langues régionales doit dépasser les clivages idéologiques ou politiques et que nous tous doivent travailler à la valorisation et à la promotion de nos langues régionales. La question de la graphie, donc, se pose pour la littérature et elle se pose, d'une certaine mesure, pour la réalisation de documents pédagogiques. Et tout récemment, le rectorat de Grenoble a souhaité que, dans le rectorat, des enseignants proposent des documents à destination des élèves parce que la région Rhône-Alpes et le rectorat de Grenoble viennent enfin de signer une convention qui facilitera l'enseignement de la langue régionale, l'occitan bien sûr reconnu par l'État français, mais aussi le franco-provençal qui, lui, ne bénéficie pas de la reconnaissance de la loi d'Aixonne. Ceux qui sont concernés par l'enseignement du franco-provençal se posent la question de la graphie et de sa variation, car il n'est pas possible d'envisager la rédaction de documents par commune. C'est pour cela qu'une graphie susceptible de recouvrir des réalisations phonétiques légèrement différentes est souhaitable, comme c'est le cas, par exemple, pour la graphie occitane. À côté de cette graphie, on peut bien évidemment noter les réalisations phonétiques les plus fréquentes. Il n'est pas très difficile techniquement de mettre en place de tels principes graphiques communs. Beaucoup d'auteurs anciens ont d'ailleurs utilisé, pour rendre leurs œuvres lisibles par le plus grand nombre, des graphies qui n'étaient pas de type phonétique et dont on peut s'inspirer. Comme vous le savez,
j'ai publié deux manuels de poche dans la collection à 6000, le franco-provençal de poche et le lyonnais de poche, toujours chez à 6000. Et chez à 6000, le principe est invariable. On présente toujours les mots dans la graphie officielle ou dans une graphie qu'on pourrait appeler commune ou de type supradialectal. Et on accompagne toujours cette graphie des réalisations phonétiques correspondantes. Dans ces ouvrages, en ce qui concerne les réalisations phonétiques, je me suis principalement appuyé sur les atlas linguistiques et les principales monographies. Pour la graphie supradialectale, je me suis inspiré de la graphie mise au point par Dominique Stich, que j'ai un peu modifiée. Je connais bien toutes les critiques dont cette graphie a pu faire l'objet, de la part en particulier des dialectologues, mais je constate que malheureusement, ils n'ont rien proposé pour la remplacer. Je crois que cette graphie, qui est aujourd'hui utilisée par les arpitanistes et qui est très présente sur Internet, est améliorable, car elle est un peu complexe, notamment au niveau des accents. Je crois surtout que cette graphie n'a pas fait l'objet d'échanges entre tous ceux qui sont concernés par la question. Je considère néanmoins qu'elle peut constituer une base de travail si on a envie d'aller dans cette direction, puisqu'elle reprend à la fois certains principes graphiques du français, langue que partage l'ensemble du domaine franco-provençal, et qu'elle s'inspire aussi de certains principes graphiques de l'occitan, qui est la langue sœur. Et je crois qu'il y a aussi de très nombreuses correspondances avec les formes anciennes du franco-provençal. Il me semble que si nous le voulions, une question de volonté, nous pourrions avancer dans cette direction en confrontant nos propositions, l'objectif étant d'arriver à un consensus minimal. Nous pourrions d'ailleurs commencer notre travail par les néologismes, car il y a urgence, puisqu'ils se font de plus en plus nombreux, et qu'ils constitueront bientôt une part très importante, pour ne pas dire la part la plus importante du vocabulaire, en raison des profondes mutations qui se produisent dans tous les secteurs. Cela conforterait l'unité du franco-provençal, sans remettre en cause la diversité qui le caractérise. D'ailleurs, la mise au point de principes communs, de principes graphiques communs, ne signifie pas la fin des systèmes graphiques qui ont déjà été élaborés dans plusieurs raisons, ici au Val d'Ost en particulier. Il ne s'agit pas de casser ce qui existe. Il ne s'agit pas de casser ce qui fonctionne depuis plusieurs années. Il s'agit plutôt de montrer qu'en franco-provençal, on pourrait avancer de façon coordonnée, comme cela se fait pour la plupart des langues. Au cours des rencontres interrégionales auxquelles je participe en tant que conseiller scientifique de la région Rhône-Alpes pour les langues régionales, j'ai pu constater que le franco-provençal ne bénéficie pas de la part des tenants des autres langues d'une grande considération. La principale raison et que cette langue ne montre pas suffisamment son unité et ne montre pas suffisamment la culture dont elle est l'expression. Il me semble qu'il faudrait œuvrer dans cette direction. Pour conclure sur une note plus optimiste, je dirais que le franco-provençal peut avoir un avenir, même dans des aires comme la France, où il est le moins vivant. Comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas possible qu'il redevienne la langue ordinaire d'une partie importante de la population. Il peut par contre devenir, à l'instar de ce qui se passe pour l'occitan, une langue de création culturelle dans divers domaines. Et si c'est le cas, le voile de mépris dont on l'a affublé sera définitivement arraché. Cela ne pourra qu'inciter les autorités à faciliter l'enseignement de cette langue et pourquoi pas dans cette langue, à l'instar de ce qui se passe, par exemple, dans les calendrettes occitanes. Revalorisée, cette langue sera d'autant plus facilement employée à l'oral
par tous ceux qui ont eu la chance de le recevoir dans leur héritage familial ou par tous ceux qui l'auront apprise. Il est bien évident que le franco-provençal qui sera employé par ceux qui l'auront appris ne sera plus le parler précis de tel ou tel village, parler que nous avons jusqu'à présent eu la possibilité de noter lors de nos enquêtes dialectologiques. Mais ne nous trompons pas, là où il est encore vivant, le patois est appelé lui aussi à connaître de nombreux, de profonds, de rapides changements en raison des profondes mutations qui se produisent sur le plan sociologique avec les importants mouvements de population qu'on observe partout et qui ont déjà été signalés au cours de la journée, changements aussi sur le plan technologique ou culturel, ce qui entraîne un important renouvellement du vocabulaire. Il ne faut pas que le franco-provençal disparaisse avec les derniers dialectologues qui ont eu la chance de l'étudier de façon très précise. Que vive le franco-provençal, vive le franco-provençal, merci de votre attention. Merci, monsieur Martin. Question ? Je suppose que la fatigue commence à... Non, ce n'est pas le cas, évidemment. Bon, ben, Arnaud Fras de la Savoie. En tant que conseiller municipal d'une commune en Savoie, justement, on pensait aussi un peu à développer notre langue. Et je pense que ce que vous venez de dire, en tant que donner une place comme langue de culture chez nous, je pense que c'est exactement la chose qu'on peut lui donner. Parce que ce ne sera plus la langue comme... bon, on se tutoie parce qu'on se connaît déjà un peu. Ce ne sera plus, je pense, la langue qu'on parlera tout le temps comme langue primaire, parce que bon, la langue française a quand même pris le dessus avec le temps. Et je suis quand même content d'entendre aujourd'hui, parce que je me retrouve complètement dans ce que tu disais, de passer, après des dizaines d'années du bon trait dialectologique, de passer un peu à autre chose et essayer d'approfondir ce chemin-là. Donc après, je reconnais que critiquer, c'est facile, mais j'aimerais bien aussi que les intellectuels et les scientifiques parmi nous, ce serait bien si on essaye en effet d'améliorer cette voie et bien étudier la chose et voir ce qu'on pourrait améliorer pour justement arriver à faire quelque chose. Et c'est surtout intéressant quand on fait du travail interrégional ou même intercommunal. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous en Val d'Ost, mais chez nous en Savoie, on est en train de faire on subit une réforme d'État et tout va être regroupé. Donc les communes risquent de disparaître pour faire des grandes intercommunalités. Et je pense que justement, comme il y a plusieurs communes qui vont être absorbées par une grande structure, ça peut être justement intéressant de travailler avec... une orthographe supradialectale. Donc c'était juste un commentaire, pas de question, mais merci Jean-Baptiste. Quelle est votre commune ? Saint-Colomban-des-Villards. Je vais juste un petit mot. Je voudrais dire que moi, j'ai un rêve. Vous savez, il y a d'autres qui ont dit j'ai un rêve. À ma petite mesure, j'ai un rêve. Je voudrais réconcilier tous ceux qui travaillent sur le franco-provençal, car tous ont une petite part de vérité ou une grande part de vérité. Et donc, essayons d'œuvrer tous en s'aidant mutuellement, même si on a des divergences de perception, de représentation de la langue. Je crois que nous vivons une période, c'est un peu moins vrai ce que je dis au Val d'Ost, hein, mais ça peut arriver chez vous aussi bientôt. Nous vivons une période qui risque de marquer la fin de cette langue. Et donc, c'est à nous qui revient la possibilité, et je dirais même le devoir, de faire vivre cette langue. Sans doute qu'elle ne vivra pas de la même façon, c'est certain. Mais je pense qu'on a besoin de toutes les idées, à la fois sur le plan pédagogique, à la fois sur le plan culturel. Mais je suis intimement convaincu que, comme c'est le cas pour l'Occitan, gagnera la partie linguistique si on la gagne en même temps avec le culturel. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis, d'ailleurs.
Peut-être vous avez raison, Monsieur Martin. Je sais dans plusieurs endroits, à plusieurs occasions, j'ai exposé ce matin mes convictions à propos du problème de la perte de la langue, etc. Je disais qu'à dans plusieurs endroits et plusieurs occasions, je me suis dit convaincu que dans un, étant donné que la langue maternelle est sur le pivot, pardonnez-moi, sur lequel moi je continue à frapper. Étant donné ça, que l'unique peut-être vraie possibilité d'un espoir de continuité, c'est que les autorités gouvernementales, le gouvernement français, le gouvernement italien, peut-être les régions Rhône-Alpes ou les régions italiennes, mais j'y crois très peu, imagine que quelque chose de moins démagogique de ce qui a été imaginé, par exemple, par les gouvernements italiens qui donnent des bons pour les enfants, pour la naissance des enfants, et qu'ils pensent plutôt à donner des bons pour ces familles qui ont été capables, qui ont eu le courage d'amener leurs enfants à 6 ans avec leur patois du pays. Le problème, c'est que c'est valable chez vous, mais chez nous, le gouvernement ne se ruinerait pas en donnant cet argent-là. Parce que malheureusement, il y a très, très peu de familles qui bénéficieraient de cette allocation possible, mais c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, vous voyez par exemple ce qui se fait en Occitan, et je pense qu'on pourrait faire ça peut-être en franco-provençal. Dans les mallettes qui sont distribuées dans les maternités, il y a dans certains départements français une mallette sur la langue régionale. Et voyez quelque chose de tout à fait intéressant. Il y a des tas de secteurs où on peut développer le franco-provençal. Il y a le secteur économique dont on a parlé, on n'en reparlera pas. Mais par exemple, il est prouvé que dans les maisons de retraite, la langue régionale est un instrument thérapeutique extraordinairement intéressant parce qu'il y a des endroits où, grâce à l'occitan ou à une autre langue, des personnes qui étaient complètement bloquées, entendant la langue de leur jeunesse, eh bien, se sont mis à revivre. Donc, vous voyez, il y a des tas de possibilités et je crois que ça tient à nous de faire quelque chose. Si nous ne faisons rien, la langue va mourir avec nous. Merci. Ça s'est passé trop de temps depuis que je me suis levé et que je suis arrivé là. J'ai tout oublié de nouveau ce qu'il fallait dire. Stiche. Première fois que j'ai écouté sa présentation à Host, je ne sais pas combien d'années, j'ai dit, bon, si ça marche, pourquoi pas. Après, au moment où je me suis engagé comme maître de patois et tout, surtout avec la graphie du Braille, un peu influencée peut-être aussi par le mouvement qu'il y avait ici en Vallée d'Ost pour l'attachement un peu à la prononciation et aux graphies du style phonétique, j'étais contre. Total, radical, je pensais que c'était du français mal écrit. Et après, j'ai fait encore un peu de parcours parce que je ne me suis pas seulement arrêté à faire le chercheur, à étudier la langue, mais aussi à l'utiliser, poète, chanteur, tout ce qu'on veut, à tester un peu les différents systèmes, à étudier un peu les différents systèmes qui sont utilisés pour écrire le franco-provençal. Et je me suis dit à d'admettre, ça me fait mal au cœur de donner raison à une personne que je connais, et il me disait, moi mon problème ce n'est pas de faire passer la prononciation de ce que je veux dire, mais la signification de ce que je veux dire. Et alors, oui, c'est vrai, j'ai compris qu'il y a ce problème entre problèmes.
diversité de usages qu'on peut faire d'un système. Un système peut être utile pour faire passer la prononciation un peu moins le sens des mots et la compréhension. L'autre système fait passer mieux la compréhension du sens, mais moins la prononciation. Et c'est des choses qu'on trouve un peu partout dans les langues qui n'ont pas un statut fort comme l'italien ou le français. On peut penser à ce qui se passe en Bretagne, Pays Basque, Catalan, Occitan aussi. Et je me suis dit, oui, peut-être on pourrait imaginer aussi de... rapprocher un peu les différents systèmes d'écriture parfois, parce que je ne peux pas imaginer que monsieur de Finis, qui doit écrire tous les S avec un apostrophe, puisse se faire comprendre aisément en écrivant un texte d'une personne qui ne connaît pas trop le patois de Finis. Après un moment, on va les lire, on va fermer le livre parce que c'est difficile de le lire. Alors, il y a des occasions où effectivement la graphie phonétique est utile et indispensable pour faire passer la prononciation et l'étude de la langue. Et de l'autre côté, il y a l'autre système qui peut être utile au moment où on a besoin d'un système de compréhension de ce qu'on écrit assez rapide. Qu'est-ce que je voulais dire à propos du système de normes? Parfois, quand on parle de normes, uniformisation supradialectale, on pense tout de suite à quelque chose qui doit être absolument fixe, unifié, immodifiable. À mon avis, si on peut imaginer de faire un pas dans ce sens, en plus des graphies phonétiques, c'est qu'on peut imaginer une norme variable, ce qui est un peu en contresens, mais il faut penser aussi qu'il n'y a pas seulement, pour répondre un peu au monsieur, il n'y a pas seulement des différences de variation de prononciation des mots d'une variante à l'autre, mais il y a aussi une différence de variation de grammaire. Ma grammaire n'est pas la même de Bruno ou n'est pas la même de notre patois. Frédéric Allier m'a démontré ça pour les pronoms personnels, d'autres ont fait autre chose. Moi, je peux le faire pour la conjugaison verbale, un verbe qui pour moi est dans le deuxième groupe, pour un autre dans le troisième, pour un autre dans le premier. Alors, il faut, si on ne veut pas trop se... éloigné de la réalité, parce que je trouve que le système de Stich est assez éloigné de la réalité, du parler et de la langue parlée, il faudrait penser, si on veut penser à ça, quelque chose qui quand même ne va pas trop loin de ce qui est l'ordre de mots de chaque variante, la flexion des mots de chaque caractéristique. Sinon, on va trop loin et vraiment, on ne se reconnaît pas dans ce qu'on écrit. J'espère que vous n'avez pas compris de mon intervention que je voulais imposer un standard unique fait à partir de je ne sais pas quoi. Bon, ce que j'ai voulu vous dire, c'est essentiellement... si pour des productions culturelles, ou voire si pour, je ne sais pas moi, des néologismes, on pouvait avoir quelques principes graphiques communs. Je ne crois pas malheureusement ou heureusement à la normalisation au sens étroit que vous avez signalé, qui serait la création d'une langue à partir d'un standard ou à partir de quelque chose qui n'existerait pas. En occitan, quand on écrit en graphie occitane, si moi je ne peux pas écrire mon occitan dit Saint-Jo dans la graphie occitane, eh bien je l'écris dans une autre langue. Et la graphie occitane me permet d'écrire mon occitan dit Saint-Jo tel qu'on le prononce à Saint-Jo. Donc je rêve de ça pour le franco-provençal, je ne rêve pas de créer une langue. Et je voudrais aussi dire que la graphie n'est pas une fin en soi. La graphie n'est pas une fin en soi, les graphies sont des moyens. Donc, n'inversons pas les valeurs. Et je souscris de ce que tu viens de dire. Encore des 1, 2, 3, 4, 1. Ça se... Ça m'a fait un peu étonné sur un sujet aussi
c'est encore moi. En fait, j'avais une petite question, juste sur le côté, parce que tu parlais rapidement d'une maison de retraite. Est-ce qu'il y a des cas, en France, parce qu'en fait c'est ton domaine, où certains anciens, par l'Alzheimer par exemple, retombent dans leur enfance et qui commencent spontanément à que parler leur patois, parce qu'ils ont parlé ça dans leur enfance? C'est un peu à ça que je faisais allusion tout à l'heure. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça, je ne suis pas très compétent non plus. Alors, ceux qui veulent sont intéressés par ça, parce que c'est vraiment très intéressant, vous allez sur Internet et vous tapez, avant on tapait conseil général, maintenant c'est plus conseil général, je ne sais plus comment on tape, départemental, où vous tapez département Pyrénées-Atlantiques. Ils sont les pionniers dans cette affaire et vous pourrez voir leurs réalisations qui sont tout à fait extraordinaires. Avant tout, remercier M. Martin pour sa leçon magistrale très claire et très chaleureuse. Et ça nous fait bien au cœur. Mais poser aussi une question, vous avez parlé des néologismes, et j'arrive mal à imaginer comment la grande partie des néologismes nous vient de l'anglais maintenant, comment l'adapter au franco-provençal. Merci. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de solution pour le moment, parce que ça, c'est, si on allait dans cette direction, il faudrait le penser collectivement. Si vous voulez avoir une idée, pour l'occitan, qui est quand même une langue sœur, hein, je prends l'occitan parce que c'est la langue qui est la plus proche de chez nous, mais il y a tout un travail, il y a un gros bouquin qui vient de sortir de Josiane Hubeau sur tous les néologismes possibles et scientifiques, enfin, tous les termes scientifiques adaptés à l'occitan dans la graphie de l'occitan dont je vous ai dit deux mots tout à l'heure. Graphie de l'occitan qui, je le répète, parce que pour beaucoup, on voit dans occitan une langue particulière et une graphie unique. Non, ce n'est pas une graphie unique. C'est des principes graphiques qui sont, en gros, les mêmes pour tous les points communs et les variantes qu'on pourrait qualifier de légères. Mais toutes les fois qu'il y a des différences importantes, il y a maintenant des graphies différentes. Et ça, c'est vraiment très important pour moi et puis pour tous ceux qui ont promu cette graphie. Alors, Josiane Hubeau, U-B-A-U-T, je crois. Oui, deux choses, tout simplement. L'une très rapide, une observation sur les graphies. Au Moyen-Âge, l'époque que je connais un peu, il n'y avait pas une seule graphie, même pour la même personne. Alors, notre petit poète Dante Alighieri a écrit la Divine Comédie en utilisant des graphies très variables. Alors, disons, s'il a pu faire ça, je crois qu'on peut faire d'autres choses de la même dimension. Alors, voilà. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, un peu moins joyeux, est celui de maison de retraite. Alors, j'ai des expériences, l'expérience de ma mère, qui se trouvait dans une maison de retraite, et à un certain moment, elle a commencé à parler en dialecte, chose qu'elle n'avait jamais fait dans la vie à la maison. Donc, j'ai perçu tout ça comme quelque chose qui dormait dedans, comme un oiseau dans une cage. Un oiseau qui attendait un moment de trouver le chemin pour sa liberté, n'est-ce pas? Et je ne sais pas ce qui se passera pour moi. Quand ça sera mon moment, peut-être je ne serai pas capable d'entendre, de comprendre ce qui se passe. Mais peut-être je parlerai aussi un dialecte. Et si je serai près de mon ami Tullio, il va enregistrer tout ce que je dis. J'admire, étant donné qu'il s'agit d'une libération de quelque chose qui se trouve dedans, qui parfois ne laisse pas des traces évidentes dans le cours de la vie. Je pense que des expériences de liberté, comme celle de Madame Yaffé, sont le bon chemin. Avoir une autre discipline, disons, je parle pour l'Italie, un autre latin ou un autre grec, un instrument de torture, un autre en plus, non, ça serait vraiment trop. Mais les expériences de liberté et de joie
dans l'emploi d'une langue qui se trouve dedans nous, parfois un peu cachée, ça je le trouve intéressant. Merci, parce que je crois que nous sommes plus ou moins de la même opinion. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est, je vais donner un cas personnel, en fait. Je suis un néolocuteur de français. C'est un terme qu'on utilise assez peu pour cette langue, mais c'est une langue que j'ai appris quand j'avais 12 ans. Je ne parlais pas un mot avant. Et en fait, ma langue maternelle, c'est l'anglais. Et l'anglais, c'est une langue qui connaît une seule orthographe. Mais quand je parle un dialecte de l'anglais assez particulier, l'anglais sud-africain, et quand un mot est très particulier, on adapte la graphie à l'anglais et à l'anglais du coin. Et il n'y a aucune raison pourquoi on ne pourrait pas faire ça pour notre langue. Et du coup, pour rejoindre ce que vous avez dit, je pense que Stich, son travail, ça existe depuis 15 ans maintenant. Et je pense que maintenant, c'est vraiment le temps d'en faire le bilan. Il faut qu'on fasse, on dit ça existe depuis 15 ans. Est-ce que ça a été pris? Non, pas vraiment, par beaucoup de patoisans. C'est le temps de vraiment de se réunir, de se poser les vraies questions sur ce qu'a fait Stich, là où il avait raison, là où il avait tort, et comment est-ce qu'on pourrait adapter ça pour faire quelque chose de complémentaire à nos graphies phonétiques. On pourrait avoir toujours nos graphies Braille, nos graphies Conflans, mais on pourrait avoir quelque chose de plus grand qu'on pourrait utiliser pour communiquer sur l'ensemble du domaine. Il faudrait qu'il y ait une comité, par exemple, on parlait des néologismes, qui pourrait s'unir de manière assez régulière. On pourrait venir avec nos questions, on pourrait prendre des décisions et tout le monde pourrait rentrer chez eux avec ces réponses-là. Je connais très bien l'exemple de la langue basque, où là, ils ont une seule une graphie qu'ils ont créée, qu'ils peuvent utiliser à l'écrit. Il y a une certaine norme qui existe. Alors nous, on ne parle pas de norme, mais cette graphie, ils ont une seule et ils peuvent l'adapter à leur dialecte, où ils ont essayé d'au moins de réduire un peu les différences un peu débiles, comme il y avait dans le sud où on utilisait le X, tandis qu'au nord on utilise le CH pour écrire le même son. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est le travail que nous, on a besoin de faire. Et du coup, il va falloir qu'on se réunisse encore une fois pour tirer le bilan de Stich. C'est vraiment le message que j'ai voulu lancer ce soir, et je suis vraiment heureux que vous alliez à peu près dans mon sens. Je n'ai pas voulu du tout imposer quoi que ce soit, mais je pense que ce serait bien si on pouvait par la suite procéder à des bilans, si on pouvait mettre en place des groupes qui travailleraient. Je crois qu'il ne faut pas travailler de façon isolée. Nous détenons tous une part de vérité, et donc c'est dommage que nous ne mettions pas en commun ces parts de vérité et qu'à partir de ces parts de vérité, nous nous fixions une route, mais une route qui tiendra compte de la réalité. Je suis un dialectologue de formation, mais je suis devenu un militant de cœur, pas un militant sur le terrain, parce que mon emploi de conseiller scientifique ne me le permettrait pas. Mais je crois vraiment qu'il faut tenir compte de la langue telle qu'elle est. Et comme vous le disiez, l'unité, une certaine unité, ce sera toujours une unité graphique qui ne remet pas en cause les réalités de terrain. La langue, elle est ce qu'elle est. Et en plus, nous avons une langue qui est partagée entre trois pays. Vous comprendrez bien qu'on ne va pas imposer un standard, parce que de toute façon, ça serait la guerre. C'est déjà la guerre là où il n'y a qu'un seul pays, et donc là où il y en a trois, ça serait vraiment une utopie complète. Et voué à l'échec. Encore quelqu'un? Andrea? C'est vrai, la graphie n'est qu'un moyen. Le disait Schuller aussi, c'était une citation dans la publication de Comment écrire le patois, les années 82, 86, je crois, on disait la graphie n'est qu'un habit. Alors, c'est vrai, mais il faut mettre un mais. Quand on parle plutôt de transcription, oui, en effet, on peut mettre n'importe quel symbole pour n'importe quel son, mais au moment où on commence à écrire, il y a des lettres qui ont une certaine familiarité dans certaines positions, plutôt que d'autres lettres dans d'autres positions. Alors, il y a effectivement des cas où les gens se sentent un peu comme ça. Alors là, il faut un peu réfléchir. Après, tout peut se passer, parce que dans la même personne,
Bon, il y a eu une période où on utilisait la graphie du Braille, on a éliminé quelques accents, et en fait, sans le savoir, on a fait un peu un bond vers une certaine uniformisation. Après, il y a une dame qui a fait un dictionnaire, le dictionnaire de Champorcher, par exemple. Elle était très attachée au son final de N dental N, alors elle devait mettre deux N, mais pour le début des sons en style sans, pour dire chant, elle mettait un joli entre guillemets TH à l'anglaise, mais elle l'écrit, et dans la graphie Braille, on aurait dû l'écrire avec un S, mais elle l'écrivait avec un TS, parce que pour elle, c'était plus facile être la compréhension, même si c'était un système phonétique. Alors, tout peut se passer. Et voilà, c'était ça. Après, je promets que je ne viens plus. Je suis tout à fait d'accord avec M. Martin sur le fait que, malheureusement, dans ces occasions, on finit pour dédier le 90% des discours à la graphie, qui est, je le répète, un type de sémiose secondaire par rapport à la langue, qui est vraiment importante, et tout le reste se perd. Mais pour revenir à ce que Andrea disait tout à l'heure, la dame de Champorcher, qui avait créé sa propre graphie, si elle avait mis une police de signes au commencement, et si elle était cohérente dans le reste avec cette police, qu'est-ce qu'il y a de mal? Absolument rien. C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Je crois que c'est venu l'heure de demander à nos hôtes, aux organisateurs, de venir à la table, parce que le risque est de continuer sur des K et sur des S, sur lesquels, malheureusement, des générations se sont, disons, chicanées dans la meilleure des cas. Je ne vais pas encore vous retenir sur ma conclusion. J'aurai le temps de l'écrire et puis on verra ça dans la publication des actes. Je remercie tout le monde pour la qualité de ce débat. Et je crois que face à des questions si brûlantes et si actuelles, on a démontré que le débat est utile, peut se faire, et il peut marcher, et même il peut donner des pistes pour aller de l'avant. Donc on est parti avec la question de Belkacem Lounès. Je crois qu'on a commencé déjà à mettre des réponses à cette question. On a mis sur la table des propositions pour travailler ensemble. Je crois que l'important, c'est ne pas rester dans la pensée binaire, ne pas se cristalliser autour de conflits qui souvent cachent autre chose par rapport à ce que le conflit semble dire. Il y a des conflits identitaires, il y a des conflits de représentation qui vont bien au-delà. Il y a des différences aussi dans les pratiques et dans les représentations. Si il s'agit de faire de la patrimonialisation et une transcription, on a des exigences qui ne sont pas celles de quelqu'un qui doit envoyer un message par téléphone quand il est au feu rouge et qu'il veut surtout qu'on comprenne ce qu'on lui dit. Et alors pourquoi ne pas pouvoir utiliser le franco-provençal aussi dans ses messages au téléphone avec peut-être des graphies et des systèmes plus efficace et plus rapide que dans d'autres contextes. Donc tout est possible. Je crois qu'il y a de la place pour faire beaucoup de choses avec le franco-provençal. Et ça dépend de nous, ça dépend justement de ces stratégies que les locuteurs, aussi bien que tout le monde, pourra mettre en place d'ici dans l'avenir. Alors, je voulais juste encore remercier, à part justement vous tous pour la qualité du débat, encore rappeler la commune, l'assessorat, en particulier le Braille, Rosite, les techniciens qui aujourd'hui ont fait un travail merveilleux et en plus efficace, parce que apparemment tout a marché. On n'a pas eu d'embêtement, donc c'est formidable. Je remercie les intervenants. Euh,
je disais que je remercie les intervenants et puis encore les présidents de séance aussi qui ont permis le bon fonctionnement de ces deux demi-journées. Pour finir, il y avait encore quelques messages qui sont arrivés. C'était des messages d'encouragement et de solidarité, disons, par rapport à... Et donc, voilà. On pourra faire suivre cela aussi. Peut-être on va les insérer dans notre site ou dans notre page Facebook. On a une page Facebook aussi. Donc voilà, on multiplie aussi les moyens pour communiquer avec vous. Et aujourd'hui, on a eu pas mal de personnes qui nous ont suivis de loin. On a eu quelqu'un aussi du Japon qui a suivi pendant toute la journée. Donc voilà, je crois que notre débat va plutôt loin. Voilà, merci à vous tous. Qualcosa io, possibile?